like a crime, violent and hard. Say at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me, till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me.
Et vous, vous avez déjà vécu tous les deux cette expérience. Toi, Chétina, on peut dire que tu as sauvé Cyr de la routine, de la monotonie. Toi, Cyr, tu as su sauver Chétina de la déception, de l'amertume. Alors, votre amour est donc déjà lié secrètement au mystère de la croix. Eh bien, ce secret, aujourd'hui, vous voulez le partager avec tous vos amis, avec le monde entier. Aujourd'hui, par ce mariage, Cyr, Chétina, vous mettez vos existences et celles de vos enfants au pied de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et nous savons que l'amour, parce que c'est la chose la plus belle, c'est aussi la plus vulnérable, la plus fragile.
N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement, autant que possible pour ce qui dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Chétima ici, soyez dans la joie de l'espérance, soyez assidus à la prière. Ce sera beau en particulier que si elles connaissent beaucoup les psaumes, qui a choisi celui qu'on va entendre, puisse initier Chétima davantage encore à cette prière de psaume. Pour le psaume, j'invite. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent sur mon serviteur. Que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle.
Vous êtes venu dans cette église pour que le Seigneur confirme lui-même, par sa grâce, votre décision de contracter mariage. En présence du ministre de l'Église et devant toute la communauté si présente, le Christ vous bénit abondamment votre amour conjugal. C'est pourquoi je vais maintenant vous demander d'exprimer votre intention devant l'Église. J'ai dit ainsi, vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous a donnés, à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Êtes-vous disposé à assurer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Oui. Alors, puisque vous êtes décidé à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, je vous invite à vous donner la main et à échanger vos consentements. Moi, sire, je te reçois, Chétina, en époux, et je promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Chétina, je te reçois, sire, comme époux, et je promets de te rester fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, que nous comblons de joie, que tes œuvres sont belles, que tes œuvres. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Amen. Je vais maintenant demander aux enfants d'apporter les alliances que je vais bénir. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Chétina, reçois cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Que tes âmes sont belles, que tes âmes...
que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Père très saint, créateur du ciel et de la terre, tu as fait l'homme et la femme à ton image, tu as voulu l'œuvre de nous et tu l'as béni. Nous te prions humblement pour Chétina et Poussier, qui sont unis aujourd'hui par le sacrement de mariage, que ta bénédiction descende en abondance sur eux, que la force de l'Esprit Saint les enflamme de ton amour, qu'ils trouvent le bonheur en se donnant l'un à l'autre, que leurs enfants viennent embellir leur foyer et que l'Église en soit enrichie. Dans la joie qu'ils sachent te remercier, dans la tristesse qu'ils se tournent vers toi, que ta présence les aide dans leur travail, qu'ils te trouvent à leur côté dans l'épreuve pour alléger leur fardeau, qu'ils participent à la lumière et à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir été longtemps heureux, qu'ils parviennent entourés de leurs amis dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite les témoins à retourner à leur place et nous allons maintenant laisser éclater notre joie. Félicitations que vous aimez, que je vais sur vous longtemps.
Thank you.
donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Ensemble, nous chantons l'agneau.
Oh,
vous dit un grand, grand merci. Vous supportez ainsi. Ce qui est sûr, l'Assemblée, on va essayer de bouger comme au Congo, s'il nous plaît. Hein. Et l'on a de marier toutes les deux. Bolim ici, vraiment, toutes les deux, au collège, s'il vous plaît. Voilà. Thank you.
Comes off and the day goes by.